No posture, eh? Boy, why have you scared them away? So Emma is ill today. And Khalid, so automatically. And Mubarak has his with them. Warka and Faiza. Faiza is studying. She has classes late at night. And Mubarak was going to come with Khalid. Yes. Still we have quite enough, huh? Inshallah. Inshallah. And who else was expected to be here? Nasir from Spain. He didn't say he was coming today. Hmm? He didn't inform us he was coming today. No, no, he's here and he met me this afternoon. Yes, he's here. And he told me that he comes regularly. That's the impression he gave to me. Maybe he's gone back. Please continue. Yes. I mean, let's start. Assalamu alaikum wa zuhur. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ye mera sawal hai. Donc c'est sur la sourate 39, le verset 7. Az-Zumar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. Il vous créa d'un seul être. Ensuite, de cet être, il fit sa compagne. Et il vous a accordé 8 têtes de bétail par paire. Il vous crée dans la matrice de votre mère, création sur création, dans une triple obscurité. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui est le royaume. Il n'y a de Dieu que lui. Vers où donc vous détournez-vous? The English translation is as follows. He created you from a single being, then from that he made its mate. And he has sent down for you 8 heads of cattle in pairs. He creates you in the womb of your mothers, creation after creation, in 3 tiers of darkness. This is Allah, your Lord. His is the kingdom. There is no God but He. Whither then you are being turned away? Donc, ma question, vous nous avez expliqué le sens de ce verset à maintes reprises. Étant donné que nous avons été créés à partir d'une cellule unique au début, qui avait une nefs, et comment se fait-il que, étant donné que le corps humain a des milliards de cellules, nous n'ayons qu'un seul nefs? I'm sorry, but I didn't read the first part of the verse, which actually the question is on this part. I'm sorry if Hazur permits. أعوذ من الشيطان الرجيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. So the question actually is on this portion, and it is that we have understood from this verse that mankind was created from unicellular beings at the very beginning when life first appeared. Now, each of these cells was said to have a nafs. So, the human body contains billions upon billions of cells, but it's said that that the human being has only one nafs. Why does it not have so many anfus? If one cell can have a nafs, then why not? Nafs is the ultimate consciousness of a cell or a combination of cells. Consciousness does not split. Even if you are built of trillions upon trillions of cells, if you have one single consciousness, that is being, that is nafs. La sainteté du calife explique que le mot nafs en fait signifie cette conscience ultime d'une cellule ou d'une combinaison de cellules existant dans un seul organisme. Le nafs, donc la conscience, ne peut être divisée ou sous-divisée,
et elle reste unique. Et c'est pour cela que, quel que soit le nombre de cellules dans l'organisme unique, il n'y aura qu'une seule conscience. Bonjour. Wa alaikum salam. Acha thandi bahut zor se aa gayi. Parmi les prophètes, les principaux sont venus au Moyen-Orient. Que pensez-vous sont les raisons, Huzur? The principal or major prophets seem to have all come around the Middle Eastern region of the world. What is the main reason for this behind their appearance? No, this is not right. The Holy Quran contradicts this statement by telling us that all over the world, in every age, Allah sent prophets. So the question is wrongly taken. Prophets have appeared all over the world in every age. Middle East is not a special place where prophets were sent. So the question is perhaps wrongly oriented. Perhaps what he means to say is that the Holy Quran only mentions those prophets who appeared in the Middle East. Why does not it mention by name other prophets who appeared in other places of the world? Now, if the Holy Quran is correct, as it is correct, then how many prophets should there have been all over the world? It is said 124,000. So the Quran would be a book, become a book of names. And if some history is also mentioned as to what happened to them, then this will become a huge book. It will be impossible for anyone to finish it right from the beginning to the end in his whole lifetime. So what would be the purpose? So the Quran, or God, has chosen one way of representation of prophets. Allah chose Middle East for specimen prophets which appeared there. And whatever happened to them is mentioned in the Holy Quran elsewhere, that exactly the similar was the treatment of all people, and of all the prophets at the hand of the people to whom they came. So that makes the whole story. But again, the question is, why Middle East? Why not any other place? The reason is that Middle East was to represent the main stem upon which ultimately Prophet Muhammad was to be born, sallallahu alaihi wasallam. So that main stem on which, or trunk I should say, on which the best of prophets was to be born, had to be chosen as a representative case. Right? Sa Sainteté le Calife dit que le Saint-Coran contredit cette déclaration qui vient d'être faite en disant que Dieu a envoyé des prophètes partout dans le monde et dans tout peuple. Donc la base même de la question n'est pas valable. Le Saint-Coran ne mentionne que ces prophètes qui sont apparus au Moyen-Orient, et donc la question aurait dû être pourquoi le reste du monde n'a-t-il pas été mentionné ici? En fait, dit le calife, on nous apprend qu'il y a eu à peu près 124 000 prophètes depuis que l'homme existe. Eh bien, si le Coran devait englober tous ces noms, même seulement leurs noms, eh bien, ce ne deviendrait plus qu'un livre qui est une liste de noms, et l'on prendrait toute sa vie pour essayer de lire à propos de tous ces prophètes-là sans pouvoir terminer cette œuvre. Allah a donc choisi de représenter certains prophètes. Il a pris des spécimens de l'apostolat tels qu'ils sont apparus en Moyen-Orient, dans le Moyen-Orient, et il a démontré que le traitement réservé à ces prophètes aux mains de leur peuple est de toute façon essentiellement le même partout dans le monde. Donc il a donné des échantillons, si vous voulez, de ce qui arrive aux prophètes en choisissant le Moyen-Orient. Mais pourquoi donc le Moyen-Orient et pas une autre partie du monde? Eh bien, c'était bien l'apostolat
le système de l'apostolat du Moyen-Orient qui représentait le tronc principal d'où devait surgir cette branche la plus importante qui était celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est pour cela que c'est cette partie-là du monde qui a été choisie et ce sont ces prophètes qui ont été présentés dans le Saint-Coran. Les enfants qui vont à l'école sont soumis à un environnement moral assez, en fait, très libre. Pouvez-vous nous donner quelques conseils sur la façon d'aborder les questions d'éducation sexuelle avec les très jeunes enfants? Children are exposed to a very open moral system at school, we can say. So what advice would Hazur like to give regarding, for example, sex education, which is given to children at school? What kind of education should we be giving our children according, on this subject? Islamic education. You know, the Quran is very clear. You should tell them the advantages of chastity and relate the concept of chastity with loyalty between two partners. And tell them that because of lack of chastity, and because of encouragement of open sex in the modern society, the society is suffering as a whole from all sorts of diseases, which are not only physical but also moral. This education is responsible for the breaking of most homes until people get fed up of marriage itself. More than 30%, definitely more than 30% girls here have given birth to babies while still they were not legally adults. They had not reached the age of maturity. And all the havoc this system is playing with the society is so apparent that right from the childhood you should tell your children to grow up as chaste, honest people, and that would be a guarantee for their ideal homes that they will create. And no problems, no suffering of any sort. But if they are permitted to see the vulgar television which exposes everything and which even invites to homosexuality, by declaring this is but natural. So then you have to say goodbye to the Quran, to religion itself, because a strange God would appear in the sight of men who has punished and destroyed two townships completely just for the crime of homosexuality. And they are telling the society that it is natural. So God has to be unnatural then. So you have to educate them not in one sitting, gradually, slowly, by building the theme with them right from childhood. And as such, I know such children grow up very pious and very determined and resolute in guarding their values. Sa Sainteté le Calife dit qu'il faut que vous leur donniez cette éducation islamique. Le Coran est très clair à ce sujet. Il faut que vous, disiez à vos enfants quels sont les avantages de la chasteté et il faut que vous liiez cela avec le concept de la loyauté au sein du couple. Il faut que vous leur disiez que la société souffre de toutes sortes de maladies, non seulement physiques, mais aussi bien morales et autres. Et vous pouvez le démontrer comment les foyers sont en train d'être brisés dans cette société à cause de ce libertinage, à cause de ce manque de moralité. Eh bien, vous savez qu'en Grande-Bretagne, plus de 30% des filles ont déjà donné de nos jours naissance à des enfants avant même qu'elles n'atteignent l'âge légal de la maturité. Eh bien, vous voyez quels sont les problèmes que cela crée au niveau de la société.
Donc, il faut leur dire à vos enfants qu'être chaste va les amener, va leur garantir un foyer idéal. Mais si les enfants sont exposés à la télévision vulgaire où toutes sortes de choses sales sont montrées et qui invitent même, par exemple, à l'homosexualité comme quoi c'est une chose naturelle, eh bien, les enfants vont peut-être croire que c'est naturel, mais dans ce cas, il faudra qu'ils disent adieu au Coran, à Dieu. Peut-être que Dieu, alors, ne serait plus naturel, car c'est ce même Dieu qui a envoyé ce Coran, qui avait aussi détruit deux villes seulement pour ce crime. Et donc, il faut... Il dit dans la Bible, pas seulement dans le Coran. Yes. Cela... Le calife dit que ce n'est pas seulement dans le Coran d'ailleurs, donc la destruction de ces deux villes a été mentionnée aussi dans la Bible. Et aussi, le calife a dit qu'il comprend maintenant autant de français. Alhamdoulilah. Donc, Hazur dit que Dieu, donc il pose la question, est-ce que les enfants vont donc se dire que Dieu n'est-il pas naturel, puisque c'est autre chose qu'il a puni et naturel, ce n'est pas possible. Mais je sais que si vous les éduquez convenablement, eh bien, je sais que ces enfants, ils grandissent et ils préservent leurs valeurs. Ce sont des enfants qui sont très sages et ils préservent ce que vous leur avez montré et ils peuvent l'utiliser pour se créer des foyers idéaux dans la société où ils vivent. Le sabotage de l'infrastructure économique peut-elle être une alternative valable pour la résistance afin de démoraliser et affaiblir la domination des forces occupantes? Vous pouvez répéter la première partie, s'il vous plaît. Le sabotage de l'infrastructure économique. Is the sabotage of economic infrastructure a viable option for the resistance in a country which is being occupied by some force, so that the force is overcome? Is it permissible to do so? I don't know what he's talking about. He has to explain himself, give a clear example. The question is asked in generalities, and I can't answer this question in generalities. He has to tell me exactly what is permissible, what sort of system exists, and how he is proposing to sabotage that system. Sa sainteté le calife dit qu'il voudrait des précisions, car là c'est une question très générale, et il préférerait que l'on lui dise quel type de sabotage de l'infrastructure il s'agit bien, et quel sabotage propose M. Hossein ici. La question, à vrai dire, c'est en général, quoi. Mais par exemple, si on prend le cas de la Palestine, est-ce que les Palestiniens, s'ils peuvent détruire des systèmes économiques éviter de travailler, par exemple, mais là aussi, ils ne pourront pas survivre. He's talking about political disruption within a political system is in vogue, in operation. Previously, the question was different. He was talking of economic lack of cooperation. So, make him more clear first. Yes. Mr. Hossein is proposing that, for example, in Palestine, where there's an occupying force there, which is done by the Israelis, would it be permissible, for example, for the Palestinian Arabs to, for example, quit work, to boycott? To work to their own disadvantage? If they quit work, they would die of hunger. It's meaningless. The only question which could have been valid would be that they should they indulge in terrorist activities? The answer to that is no. And the answer to this question is no as well, because that will be suicidal. They have tried it once before. You know, they started, they discontinued growing vegetables, which were sold to the Jews. And they discontinued the supply of food and every essential food. To them, they said, don't send them vegetables, we don't send them any food. So people were locked in their homes and dying with mass hunger.
they stole out quietly and stealthily got some food from somewhere, somehow. But I remember those days, they were terrible to watch that suffering. So how does it hurt Jews at all? It hurt them themselves. The only way out is to migrate from such an oppressive state and build a counter-resistance elsewhere and then attack from outside. But for that, there is no such country. So unfortunate. That is why Allah has told us that Allah in the Quran, that God will it will be God will take measures to bring Jewish occupation of Palestine to an end. Human forces will not be able to do it. And this is true. But God will act only when the people become pious and turn to Him and worship Him. That is what they do not do. So the right measure is mentioned to them, which is best anyway, politically, economically, to reduce the suppression. The best way is to behave normally, which they do not do. We have the example of Kawabir, where we have Ahmadis, and because they are loyal citizens, law-abiding citizens, nothing happens to them. They can't. They have no means to find an excuse whereby to kill them. So it is reciprocal. If all the Palestinian Muslims did this, first of all, it will be peaceful. Secondly, they will be able to worship God entirely with total dedication. Then how will it be possible for God not to keep His promise, because He has never broken promises? Then and only then they will be delivered from the clutches of the Jews. Huzur nous dit que si par exemple des gens pensent qu'en boycottant le travail ou quelque chose comme ça, ils pourraient causer du tort, et bien en fait eux-mêmes ils en souffriraient. Et on pourrait peut-être poser la question autrement et dire, ont-ils le droit d'effectuer des actes terroristes contre ce gouvernement qui occupe leurs terres? Eh bien non. La réponse aux deux questions serait non, car ce serait suicidaire dans les deux cas. D'ailleurs, en Palestine, les Arabes ont déjà essayé cette tactique. Par exemple, ils avaient décidé à un certain moment de cesser de produire des légumes qu'ils vendaient aux Juifs et dont avaient besoin les Juifs. Eh bien, les Juifs ont tout simplement répliqué en les privant, en faisant un blocus de nourriture essentielle, nourriture de base. Et alors, les Arabes ont été réduits à être barricadés chez eux et à mourir de faim. Et ils ont beaucoup souffert. Le calife dit que je me souviens de ces jours, c'était une grande souffrance qu'on ne pouvait regarder. Donc cela n'est pas une solution. Une solution possible serait qu'ils émigrent et qu'ils construisent une résistance dans un autre pays, et qu'ils attaquent de l'extérieur. Mais malheureusement, il n'y a aucun pays où cela puisse se faire pour eux aujourd'hui. Allah Ta'ala nous dit dans le Saint-Coran qu'il prendra des mesures pour terminer l'occupation de la Palestine par les Juifs. Ce sera Allah lui-même qui va amener ce changement. Mais la condition est que les gens deviennent pieux et n'adorent que lui et l'adorent convenablement comme il se doit. Mais ce n'est pas ce que font les gens, malheureusement. Alors ils ne peuvent pas s'attendre à ce que Dieu accomplisse sa promesse alors qu'ils n'agissent pas selon les conditions de cette promesse. Donc la meilleure solution pour ces gens, c'est qu'ils se comportent normalement. Mais est-ce qu'ils le font? Ils ne le font pas. Donc, cela ne peut pas arriver pour eux. Nous pouvons citer l'exemple de la Jamaat Ahmadiyya de Kababir. Et bien, les Ahmadis de Kababir sont de très bons citoyens, d'excellents citoyens, qui se comportent selon la loi. Et donc, les Juifs n'ont aucun moyen de leur causer du tort, car ils n'ont aucune raison de le faire, aucune raison légale. Eh bien, si les autres Palestiniens se comportaient comme cela, très vite, les choses changeraient.
car ils pourraient alors amener une situation paisible où il serait possible qu'ils adorent Dieu de façon normale et adéquate, comme il se doit, et Allah alors, comme il a toujours tenu ses promesses, il tiendrait sa promesse pour eux. Ce n'est que là que les choses vont se passer ainsi, et c'est là que les Palestiniens seront délivrés de ce supplice par lequel ils passent pour le moment. Je voudrais savoir jusqu'à quel point un soldat qui obéit aux ordres a-t-il une responsabilité morale dans la mesure où il est entraîné et endoctriné pour suivre ses ordres. Soldiers have been indoctrinated to follow orders strictly. Up to what degree can a soldier be absolved from moral responsibility? Where does his moral responsibility start in any given situation? He does not owe any moral responsibility for wars, even of attrition, which have been decided upon by the leadership. It is the leadership which is responsible. While in the country, they must obey the law. So the moral responsibility falls not on their shoulders, but on the shoulders of the authorities. But at the same time, they can be morally held responsible for any cruelty they commit during the fight. For all such cruelty, they will be held responsible. And there is a basic law. God does not permit any person to torture others. In an open fight, they kill each other. That's permissible. But to capture captives and war prisoners and torture them to eke out some so-called secrets, this is not permissible. So such a person who is told by his authorities to do this, he will be disobeying God in cooperating with them. He must say, no, choose someone else or kill me. But I'm not going to cooperate with you in perpetrating cruelty upon others. Sa Sainteté le Calife dit que les soldats n'ont aucune responsabilité morale pour les guerres, qui, même les plus terribles, qui ont été décidées par leurs autorités. Car là, ils ne sont pas responsables, on ne peut pas les tenir comme étant responsables. Par contre, ils ont une responsabilité morale pour toute cruauté qu'ils vont commettre pendant la guerre. Car il y a une loi de base, et c'est que Dieu ne permet pas que l'on torture son prochain, pour X raisons, que ce soit pour extraire des soi-disant secrets de guerre ou des choses comme ça. La torture est absolument prohibée et défendue. Donc, que l'on se tue dans une guerre ouverte, oui, car c'est cela même, le but même de la guerre, mais si un soldat reçoit des ordres qu'il doit capturer une personne, la torturer pour n'importe quelle raison, il devrait refuser de se faire, même s'il était dans une position où il serait en train de désobéir aux ordres qu'il a reçus, car s'il le faisait, eh bien, il serait en train de désobéir aux ordres de Dieu. Alors qu'il dise que, excusez-moi, je ne peux pas faire cela, trouvez quelqu'un d'autre à ma place, ou sinon tuez-moi. C'est comme vous voulez, mais il ne doit pas torturer un autre, car sinon il briserait la loi de Dieu. Donc voilà la loi que toute personne doit suivre dans cette situation. Assalamu alaikum, monsieur. Assalamu alaikum, Abdullah. On sait très bien que Hazrat Muhammad salam, est le prophète qui a reçu plus de grâce et de bénédiction d'Allah que tout autre prophète. Alors pourquoi quand on lit le Darud Sharif, on demande d'Allah d'envoyer sa grâce et sa bénédiction sur le saint prophète salam, pareil comme il a envoyé sur Hazrat Ibrahim et pas plus? We know that Hazrat salam received the most grace and favors from Allah above all other prophets. When we recite the Salatun ala Nabi or Darud, we ask Allah to send the grace that He sent on, or blessings that He sent on Abraham, peace be upon him, and his posterity, and not more. Why do we not ask for more than that? No, it is not properly understood by her. Kamar does not mean exactly of the same level. Kamar only indicates similarity.
like it is said that God has sent Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we have sent this prophet, kama arsalna ila Firaun rasula, like we sent Moses towards Pharaoh. So kama does not indicate equality, it only indicates similarity. And for similarity's sake, no one better than Abraham could be chosen, because the blessing of Allah was bestowed upon him in a manner that no one else was shown that blessing. Ahadra sallallahu alayhi wa sallam was from among his offsprings, and his progeny in fact was raised beyond all the people in the whole world, and they have captured the entire world by now, because Muslims through Rasulullah sallam are in fact his progeny. This is barakat, which is contained in this kama barak ta'ala Ibrahim wa ala al-Ibrahim. And Jews and Christians, there are three great religious people who all relate to Abraham's blessings. And they take pride in the fact that they belong to Abraham. So what better words could you choose for durood than this? These three rule the world practically. Because other nations who have their own small rules, they're nothing as compared to the total might of the Muslims, Christians and Jews. Right? Please. Huzur nous dit que le terme kama qui vient, qui surgit donc dans cette prière Salatun ala Nabi, eh bien ce mot ne signifie pas la même chose, ce n'est pas du même niveau, il n'indique que la similarité, pas l'égalité. Car dans le Saint-Coran, Allah dit aussi que nous avons envoyé ce prophète kama arsalna ila Fir'auna rasula, c'est-à-dire comme nous avons envoyé un messager à Pharaon. Donc le même mot « kama » est utilisé ici. Mais ce terme n'indique que la similarité dans les deux cas, mais pas l'égalité des deux cas. Abraham, alayhi salam, était le meilleur choix que pouvait faire Dieu pour beaucoup de raisons. L'une étant que tout d'abord le saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi salam est de la progéniture d'Abraham lui-même. Il est un descendant d'Abraham. Et aussi on voit qu'aujourd'hui, les enfants d'Abraham ont capturé le monde, pour ainsi dire. Tout d'abord, il y a les musulmans qui font partie de cette bénédiction que nous avons demandé pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui vient aussi sur les enfants d'Abraham. Ils dirigent une grande partie du monde. Et ensuite, il y a les juifs et les chrétiens, tous deux se disant d'Abraham. Et à eux trois, ils dirigent le monde entier, ils contrôlent le monde entier. Et les autres pouvoirs qui existent dans le monde, à part ces trois pouvoirs-là, ne sont que très infimes comparés à eux. Donc c'est ainsi que c'est une chose qui englobe le monde entier, et c'est donc la plus grande bénédiction que nous sommes en train de demander pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le meilleur cas qu'on aurait pu trouver en utilisant ce mot dans cette prière-là. Assalamu alaikum, Hazur. Sa question vient de la Suisse. Un Ahmadi là-bas s'est inquiété de l'événement du changement de ce siècle qui sera célébré spécialement à Jérusalem où Jésus-Christ est apparu. Cette personne avait l'idée d'un projet pour rencontrer tous les gens qui iront au pèlerinage en Israël pour aussi attendre le second avenir de Jésus-Christ ou du Messie. On pourrait développer et distribuer de la littérature spécifique pour cet événement et saisir l'occasion de renforcer le message de l'Ahmadiyyat, là-bas et dans tout le monde. Qu'est-ce qu'Azour pense de cela et que devrait cette personne faire avec son idée? This question has come from an Ahmadi in Switzerland who has found out that on the occasion of the millennium, the 2000th year of the coming of Christ will be celebrated with a lot of pomp and grandeur in Jerusalem.
And he was wondering whether that would be a good opportunity, because many people will be coming from all over the world for that celebration, to also present the fact that the second coming of Christ has also taken place. And the question is, what does Hazur think about this idea, and what should that person who had the idea do about it? You know, this idea was presented to me even before. There's just an idea born into every enthusiastic person's mind. Why shouldn't we do something about it? While the fact is that during the celebrations, all their attentions are riveted upon the so-called greatness of the Son of God and so on and so forth. And nobody pays attention to any small voice which is raised in that tumult. Nobody listens to that. The ideal thing always is to wait for them to have their say. And when everybody is, and when we know what they did, then we can produce counter-literature, then we can counter-attack them after their forces are spent. This is the essence of army military leadership. They let the other army spend their forces, and when they are finished, then they launch the counterattack. Or they always make a side attack. If they don't want to wait that long, they either make a circular movement and attack from behind or from the side. So this is a holy war. It's not a children's game. So I'm conscious of all this, and inshallah we'll take appropriate, fruitful measures. Sa Sainteté dit que cette idée m'avait déjà été présentée dans le passé, et en fait toute personne enthousiaste pourrait avoir une idée pareille. Pendant les célébrations, en fait, ce que l'on remarque, c'est que toute l'attention est rivée sur la soi-disant grandeur du Fils de Dieu, qui est Jésus selon eux. Personne ne voudra écouter autre chose. Donc toute l'attention sera sur la personne de Jésus. Eh bien, laissons-les parler, et dès que nous aurons su ce qu'ils ont dit et fait, nous pourrons alors, et nous saurons quoi, comment répliquer, et nous saurons quelle littérature publier pour répondre à tout ce qu'ils ont dit, pour contrecarrer leurs efforts. En fait, nous devons les laisser s'épuiser, qu'ils épuisent leurs forces. Ceci est une tactique qui est utilisée par bien des pays dans la guerre, et c'est une tactique qui a réussi. On attend que l'ennemi se soit complètement épuisé, et ce n'est que là que l'on passe à l'attaque. Donc, que ces gens s'épuisent, et lorsque nous aurons su ce qu'ils vont faire, nous ferons cela. Mais bien sûr, ceci est une guerre sainte, on peut dire, que nous n'allons pas négliger, et nous allons bien voir ce qui va s'y passer, et alors nous allons nous préparer pour répliquer selon le cas. Mais le Messie promis, alayhi salam, a reçu une révélation disant « Je te donnerai un grand groupe de l'islam » que l'on met souvent sur les panneaux dans nos réunions. Je voudrais savoir si le terme islam s'applique-t-il aux musulmans, et le mot large s'applique-t-il à leur nombre. The promised Messiah, alayhi salam, received the revelation « I shall give you a large party of Islam » which we often see on banners, etc., in our meetings, in our question and answer sessions, etc. The question is, I would like to know whether by Islam, does Allah mean Muslims? And then does the word large mean their number? Does it refer to their number as such? Yes. Party does not always mean number. It also refers to a grand festival. So a large party of Islam, if you are too pedantic about the grammar, seems to be wrongly worded. A large party from among the Muslims is understandable.
But when you say, I will give you a large party of Islam, it covers everything. About Islam, I'll give you so much to celebrate. Which means that Islam will grow, become dominant over the rest of the religions. And that would be something to celebrate. And then from among Muslims, so many people will join you. That will be something to celebrate. Otherwise, there is not a single party within Islam which should be given over. Right? Sa Sainteté le Calife dit que dans cette révélation, qui est une révélation en langue anglaise, le mot party ne signifie pas toujours. Not from Islam, of Islam. This is the word of is very selective word for this meaning which I have explained. Sa Sainteté dit que donc le mot party ne signifie pas toujours un groupe. C'est-à-dire un nombre de gens. Cela signifie aussi, dans la langue anglaise, une grande fête. Et donc, si l'on veut être vraiment pédant quant à la grammaire, etc., eh bien, disons que a large party of Muslims, cela serait un grand groupe de musulmans, donc ce serait un grand nombre de personnes venant de l'islam. Mais si l'on, ce n'est pas complet, ce n'est pas une chose qui est totale ou complète. Donc, en disant a large party of Islam, là, tout est englobé. Cela signifie aussi bien tout ce qui a trait à l'islam, mais aussi bien tout ce qui a trait aux musulmans. Et donc un grand groupe de parmi les musulmans sera donné au Messie promis, et tout ce qu'il y a de bon aussi dans l'islam lui sera donné. Et ce sera une chose à fêter, donc le mot, d'où le mot party. Le calife dit que, aussi que le mot from n'a pas été utilisé, donc ce n'est pas a large party from Islam. Et cela est très particulier, le choix du mot a été celui de of. Et donc, cela indique aussi le sens réel de cette prophétie. The word of can be translated as about, relating to. But in this context, from cannot be translated as such. Le calife dit que... I give you a large party. On what subject? On the subject of Islam. Then the meaning can be expanded to everything. Sa Sainteté le Calife dit que le mot from ne peut pas être traduit de la façon qu'on peut traduire le mot of. Et le mot of peut signifier qui a trait à ou qui est sur le sujet de quelque chose. Alors lorsque Dieu dit que I will give you a large party of Islam, eh bien cela signifie que je te donnerai quelque chose, un grand groupe ou quelque chose qui a trait à l'islam aussi. Et donc cela donne un sens plus complet, plus parfait. Qu'est-ce que le pardon humain et quelle est la différence avec le pardon divin? This is a question from Burkina Faso, and it is what is human forgiveness and what is the difference between human forgiveness and godly forgiveness, divine forgiveness? Human forgiveness is not trustworthy at all. Because humans may forgive some criminals whom forgiveness would encourage in crime instead of reforming them. Forgiveness is not permissible in the Quran if it promotes crime, because that will be in fact you're supporting crime. Because the same criminal will be encouraged and would be let loose upon the rest of the innocent society. So what sort of forgiveness that is? So Islam has made it conditional. Forgiveness is beautiful, Allah loves forgiveness, provided it leads to reformation. So most often human forgiveness is sentimental and meaningless. Sometimes it's good, but most often not. But Allah's forgiveness is always meaningful.
Sa sainteté le calife dit que le pardon humain n'est pas une chose fiable. En fait, les êtres humains pourraient bien pardonner leurs crimes à des criminels, les amenant ainsi à s'endurcir dans le crime, car ce n'est pas tout criminel qui va se réformer lorsqu'on lui pardonne son crime. Mais si vous le faites, vous serez en train non pas d'aider la société, mais de la soumettre à encore plus de crimes. Elle en souffrirait. Eh bien, dans le Coran, Allah, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous dit qu'Allah aime le pardon et il veut que vous pardonniez, mais à condition que ce pardon amène la réforme. Si le pardon n'amène pas la réforme, dans ce cas-là, ce pardon-là ne serait pas un bon pardon, un vrai pardon fiable. Alors, ce que nous voyons, c'est que dans le contexte humain, le pardon est souvent lié au sentiment. Et donc, ce n'est pas une chose tout à fait fiable. Mais dans le cas de Dieu, le pardon est une chose à 100% fiable, car Dieu le base sur sa justice, et donc ce n'est pas du tout le même cas que celui des êtres humains. Yes. Israël aurait mis en évidence un gène qui différencie les Juifs des Arabes, et en particulier des Irakiens. Et cette recherche a pour but de créer un virus qu'ils répandront dans la région. Est-ce qu'il y a des indications dans le Saint-Coran ou dans les traditions qu'Israël mettra ce plan en application? In Israel, they've just discovered a gene which is not shared by Jews and Arabs, and which is found very commonly in Iraq in particular. And it is feared that they might use this gene to start spreading a kind of disease which would attack only persons who have this, who possess this gene. Is there any indication of the possibility of their doing so in the Quran or the Hadith at any point in time? You see, when the Holy Quran mentions Satan and attributes to Satan the attempts to change the creation of God, then everything is mentioned in this. You can use genetic engineering for good purposes and bad purposes. And genetic engineering is mentioned very clearly in the Holy Quran. And particularly, God has warned about the consequences of this. And Satan will be punished, or satanic people who follow him, in interfering with the process of creation of God and changing his khalq, which is animals or humans, then they will be punished. God will be angry with them, which means that the same measures will kick back somehow. So science of genes with relation to its creative or non-creative, I mean positively creative purposes or negatively creative purposes, is mentioned in the Holy Quran, and it's up to them to how to make the choice how to use it. Huzur nous dit que lorsque le Saint-Coran mentionne Satan en particulier et attribue à Satan les tentatives de changer la création de Dieu, eh bien tout est englobé par cette déclaration. Car en fait, vous pouvez utiliser la manipulation génétique à but utile ou néfaste. Tout dépend de comment vous voulez utiliser cette science. Mais quoi qu'il en soit, cette science a été mentionnée dans le Saint-Coran. Satan et bien sûr ceux qui le suivent dans cela seront punis pour leur interférence dans la création d'Allah. Et Dieu en sera courroucé, ce qui signifie que leurs actes, d'une façon ou d'une autre, vont se retourner contre eux, et les résultats vont en fait aller contre leurs propres intérêts. Alors, quel qu'en soit le but, la manipulation génétique a été mentionnée dans le Saint-Coran, et il s'agit de l'utiliser à bonne fin, avec un but utile devant soi, sinon la punition va venir comme le Coran le mentionne. Allah dit dans le Saint-Coran qu'il a créé toutes choses par paire. Est-ce que ça concerne aussi la planète Terre? Et si c'est le cas, où elle peut se trouver? Allah Ta'ala says that he has created all things in pairs in the Holy Quran. Does this also mean that the planet Earth has a zawj? Is it one of a pair? And if so, then what is the other partner of Earth? Sun is a partner.
male partner, in fact, and the earth is a female receptive partner. It becomes pregnant with everything by the influence of the sunlight. So this is also a pair. In fact, everything has pairs, matter and antimatter. And it's amazing, now the scientists are discovering subatomic particles in a degree that it has totally baffled them as to the nature of this universe. So muons and you know, what sort of, there's so many names which have just missed my mind, but so many particles are created by energy that one thing which is amazing about them is that they're always pairs. Positive, negative, matter, antimatter, and so on and so forth. Sa Sainteté le Calife nous dit que, en fait, le Soleil serait le partenaire de la Terre dans, au niveau de cette paire, au niveau de ce couple, on pourrait dire. Le Soleil est en mâle car il imprègne de son influence la Terre qui, elle, reçoit comme la femelle l'influence du Soleil. En fait, toute chose vient par paire dans ce monde, dans cet univers. Nous avons par exemple la division entre la matière et l'antimatière, donc voilà une paire. Et cela englobe tout ce qui existe dans l'univers. Les scientifiques découvrent même des sous-particules qui les étonnent de nos jours, qui sont créées par l'énergie, et d'ailleurs l'énergie, explique le calife, crée toutes sortes de particules et de sous-particules, mais qui viennent toujours par paire, en positif et négatif, donc toujours il y a la matière, l'antimatière, donc en fait il y a vraiment des paires partout, et toute chose est un partenaire au niveau, au sein d'une paire, quelque part dans l'univers. C'est only God is one, nothing else is. Dieu dit bien, le calife dit que seulement Dieu est unique, il n'est pas bien sûr le partenaire de quiconque au niveau d'une paire. Durant le jour du jugement, il y aura un, quand l'âme d'un être humain sera jugée, il y aura un ange qui dénombrera tous les bons actes et puis un ange qui dénombrera tous les mauvais actes. Je voudrais savoir, est-ce que dans le système juridique actuel où une personne est accusée, il y a aussi un système similaire où un avocat est dans la défense et puis il y a l'accusateur qui est en train de dénombrer pourquoi la personne devrait être est une victime ou n'est pas innocent, l'autre qui essaie de prouver l'innocence. Est-ce que c'est une bonne approximation du système dans le jour du jugement? Briefly, is the system of defense and prosecution in tribunals or courts of law we see today a good approximation of what would happen on the Day of Judgment, where we'd have one angel giving the account of all the good acts of a person and the other who would be giving the account of the bad actions? You see, these are only metaphorical expressions, should not be taken literally as such. All the forces are innate to man, whether they are angels or Satan, or recorders of goodness or recorder of evil. That happens within man. So that is why the Holy Quran presents a picture of the hereafter when man's own skin or cellular tissue, let's say, call it, his eyes, his mouth, his ears, would witness against him. So where is the need of that angel who records the bad things? He's not nowhere there. Instead of an angel bearing witness against somebody or in favor of somebody, it will be man himself. That shows that
the mention of angels is only is made by way of reminding you of a system of record. So there is a system of record of good things. So also there is a system of record of bad things. Ultimately, they are governed by angels in a manner that we don't understand, because the recording system is not automatic. It is governed. So to mention, to relate it to angels is also right in that sense, but in a remote connection, not in a direct connection of somebody sitting over the right shoulder and somebody sitting on. This is not the right picture which you have visualized. Hazur nous dit que, en fait, ces expressions des anges, l'un se tenant à droite et l'autre à gauche, ne sont en fait que des expressions métaphoriques à ne pas prendre au littéral, au sens littéral. Toutes ces forces sont innées chez l'homme. Qu'il s'agisse d'anges ou de Satan, l'enregistrement du bien et du mal se passe en l'homme. Le Saint-Coran nous apprend que le jour du jugement, la peau de la personne, ses yeux, ses oreilles, etc. vont témoigner contre elle. Où est l'ange? Aucun n'y est mentionné. Donc les anges sont mentionnés tout simplement pour nous rappeler qu'il existe un système d'enregistrement du bien et du mal qui est bien sûr à un niveau quelconque, ultime, gouverné par des anges d'une manière qui nous est tout à fait incompréhensible. Mais l'on peut dire que oui, il y a des anges dans ce sens-là qui fonctionnent à un niveau quelconque, mais ce n'est que dans ce sens et il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Et qu'il est destiné d'aller en enfer de par sa conduite sur terre et on prie constamment pour cette personne après sa mort. Est-il possible qu'Allah pardonne tous ses péchés? If a person dies and is destined according to his actions to go to hell, will praying for him a lot, let's say, be able to change anything in his situation at all once he's died? Only Allah knows who is praying. And for what sins he is praying to be forgiven. Some sins, if some commits them continuously till his life ends, become unforgivable. So it all depends on the nature of sins, plus the nature of the person who is begging God to forgive. So the prayer of forgiveness of Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam, for instance, cannot be equated by anybody else's prayers. So the net result of what may happen is completely known to Allah and not to me or anybody else. I can just give you the principles of forgiveness. Sa Sainteté le Calife dit que ce n'est que qu'Allah qui sache ce qu'il va en advenir. Car ce n'est que lui qui sait qui est-ce qui prie et pour quel péché la personne est en train de prier. Si l'on commet des péchés continuellement jusqu'au moment de la mort, eh bien ces péchés ne seront plus pardonnables. Mais tout dépend de cela, de la nature de la personne et aussi de la nature de la personne qui prie. Tout cela va se contrebalancer, on peut dire, et on ne sait pas quel sera le résultat de tout cela. Comme par exemple dans le cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a prié pour quelqu'un, et bien ses prières ont un grand poids. Mais dans l'analyse finale, dans le résultat final, ce n'est que Dieu qui puisse le savoir, et donc on ne peut que répondre en généralité, on ne peut pas répondre au cas par cas. Dans la sourate 62 al-Juma, Allah Ta'ala mentionne les Juifs, et après il nous demande de joindre la prière du vendredi. Quelle est la relation entre les deux versets? In the Surah Al-Jumu'ah, Jews are mentioned first, and then Allah says that we should all join in the prayer for Jumu'ah. What is there any relation between the Jews two? Jews are mentioned first. In what sense? Is there any relation between this mention of the Jews and the fact that we have to come for the Jumu'ah prayer? It's a warning. The Jews are mentioned by way of warning and by way of a similarity
which may be found among the Jewish of the earlier people and the Jewish of the later people. That is, a Jewish community will be born within Islam in the latter days. So, the call for prayer in Juma is in fact a call for prayer for the gathering of all the people. And that call will be made by Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, was to be made by Masih Maud alayhi salatu wasalam. And who would oppose that call? Who would obstruct the passage of unity of Islam? They are the modern Jews. So the Quranic verses are very deeply related. First it warns, do not be like those people who abandoned their religious responsibility after they had accepted it and transferred their load upon donkeys. Donkeys carry the load all right, but they don't understand. Similarly, the ulema of today apparently carry the load of Sharia, but do not understand the Quran or anything. It's just like donkeys. And if you transfer your religious responsibilities to people who have brains like donkeys, and you still call them your leaders, they are bound to lead you to destruction. So remember this warning according to the Holy Quran. إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَصَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. Apart from this Jummah, which you know, the Quran is speaking of a grand Jummah, when a subordinate prophet to Rasulullah would be raised to give a call to the whole of the world, the entire world, to come and gather under the flag of Muhammad Rasulullah. But particularly he would be opposed by the mullahs within Islam, who at that time would be carrying the load on their backs, which they do not understand. Right? Have you got the answer? Yes. Sa Sainteté le Calife dit qu'en fait, c'est par mesure d'avertissement que les Juifs ont été mentionnés ici, car il y avait une similarité qui devait se trouver entre le peuple juif d'antan, d'il y a longtemps, et un autre peuple ressemblant aux Juifs qui allait naître parmi les musulmans. Les premiers Juifs s'étaient opposés au Messie Jésus. Eh bien, qui s'était opposé au Messie promis, le Messie qui est venu en Islam? Ce sont ces Juifs de parmi les musulmans, les Juifs modernes, comme les a appelés le calife. Donc Allah dit, ne soyez pas comme ceux qui ont reçu la charge de la loi, le fardeau de la loi, et qui ensuite l'ont rejeté et l'ont confié à des ânes, donc des gens qui avaient l'esprit d'âne, des esprits d'âne, si on peut dire. Eh bien, si vous faites cela, vous, à votre tour, maintenant, vous les musulmans, si vous allez accepter la charia donnée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais vous n'allez pas agir dessus, vous allez transférer ça à des gens qui sont comme des ânes, eh bien, ces gens-là ne pourront pas en profiter, ne pourront que le porter sur leur dos, mais ils ne pourront pas vous en faire profiter un iota. Eh bien, ils ne vont que vous amener vers la destruction. C'est pour cela que lorsqu'Allah nous invite à la prière de la Jumu'ah, dans le verset qui suit, ce n'est pas seulement la Jumu'ah comme telle qu'on on la comprend maintenant, la prière du vendredi, mais Allah est en train de parler d'une grande Jumu'ah, c'est une grande prophétie, où il y aurait un appel lancé par un prophète, pas seulement aux gens des alentours, mais bien du monde entier, à venir se joindre sous sa bannière, sous la bannière de l'islam. Donc, lorsque cet appel sera lancé, Allah est en train de dire, ne soyez pas comme ces gens qui ont confié la loi aux autres, à des ânes, et donc ils ont été perdus, ils n'ont pas reconnu leur Messie. Mais suivez cette loi et reconnaissez le Messie et répondez à son appel lorsqu'il vous appellera pour cette grande réunification qui est cette Jumu'ah mentionnée ici. I think they made the second round as well. Yes. Thank you.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.